yango na kubanda kupesi ti kama ti poi kumisharge esi zinoko izali asida ya tavar italinga ite ti ibande nini te nani kuna ma azaka sina na college achala asida afita na kana sensa sensa sutopa ulubi sensa Mets ta pompe. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Yé moto yé n'angale pipo n'esa malade na yé apa na yé chef. Oh papa. Yom tu lobi n'anga. Yom tu miminga. Monsieur, mais yon a dit ça qui occupe pour notre absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous en comprenez ou pas? Yosa fonctionnaire de l'État, que tu as droit aux prestations de risque. Oh, allez, bon matin, tout le monde. Papa, il dit ça, il y a une autre conseillère dans la vie. Oh, ah, bon matin. Oh. Voilà, donc désormais, il y a l'argent public, il y a l'État, où vous allez assujettir la Sensa, dit vous avez en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence y a 7 ans, dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tombé au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque? Risque Zali, maladie professionnelle. Donc, bon, qu'on a eu aux et accident de travail, ezali likama oyo ozui na musala ton na nzela musala yango wana nde babengi risque professionnel. Ka na Congo oyo bakumi kufuta risque ah fonctionnaire ya l'état ya lelo na Congo azali susu mutama wate yo par exemple na déclaration déjà dans le délai. Voilà, donc pour na bolamu ya ba agent public de l'état ndenge bozali awa Tata Mokonzi à l'école, Fatih Béton, Nanzela ya Sensa. En cas d'accident de travail, de maladie professionnelle, non seulement bako fouta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de yo mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente, topé allocation d'incapacité, mais en cas de livre, à cause de frais funéraires, mbé rente des survivants. Maman Nangai Tobongi! Et ce n'est pas tout! Yo, agent public de l'État, ce qui osa la mission de service topé mutation, ce qui li kama et kweli okuna, eh bien, ils ont considéré le coup d'accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, pas qu'on fout yo. Ayuna, nga mou kongwele banga kala! Gola mou fana neki zelibaye. Na sa tete! Na korezi à l'État. Nga koutou, na gono bate? Chef! Pourquoi vous foutez les gars qui sont si cool? Mais ils ont le bâtiment qui n'a pas l'idée. Oh! T'as qu'un caisse? Donc, dans ce sap, tous solidaires, tous bénéficiaires! Allez, merci. Très content de vous retrouver pour la deuxième partie. Très vite, parce qu'on ne va prendre que 15-20 minutes peut-être. On va libérer l'équipe d'Eurobank. Nous allons entamer la troisième partie de l'émission avec nos amis qui seront là pour le débat. Je rappelle ici que sur ce plateau, nous allons recevoir Maître Cédric Moudiantou et Maître Ngoma qui viendront ici pour réfléchir par rapport à l'actualité et politique. Boza et Bélé, Libosso, TV, Nabino, Napé, Sivino, Mbote, Nazoli, qui était Boza, Malamo, et que nous allons encore une fois avoir le temps de pouvoir analyser l'actualité politique, mais en même temps suivre les informations en temps réel. Bossolo na politique comme programme à une audience très populaire. Bossolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Vous suivez ce programme de partout. Bato Bazana Boulungu, Bozana Idiofa, Bozana Ilebo, Bozana Bissona Kwamut, Bozana Kamwesha, Bozana Chikapa, Topé Sibinombote, Bandeko Yambujimai, Bozana Kananga Mweneditu, Bozana Bissope, Nambandaka, Nabikoro Namakanja, Bozana Gemena, Topé Sibinombote, Bandeko Yakiri, Mangai City, Napé Sibinombote, Lubumbashi, Kolwezi, Mbote Nabino, Tobosanite Betwazana Kinshasa, la 24 communes, ya capitale, Bozana Babiro, Bozana Pena Wenze partout, je vous salue avec espoir que nous allons passer des moments excellents. Pour la deuxième partie, qui ne sera pas longue d'ailleurs. Alors, les informations du jour, comme d'habitude,
Ituri, le gouverneur annonce l'arrivée imminente de nouvelles troupes de l'armée. Ituri, les activités scolaires reprennent à plus de 90% à Boga. Financement des élections en République démocratique du Congo, la CENI recourt aux prêts bancaires en attendant la régularisation. Le premier président de la Cour de cassation appelle au retour à l'ordre pour rétablir la confiance de Congolais. Sud Kivu, le gouvernement annonce des enquêtes pour arrêter les agresseurs de l'athée de Kalehe, un procès en flagrance envisagé. Procès des 6 militaires à Goma, la défense souhaite faire comparaître le gouverneur Ndima Constant. Avant-dernière information, classement FIFA, la RDC et gagne 5 places sur le plan mondial. Alors, pour boucler la mise, Massissi, 6 personnes tuées par des bandits armés en 2 mois à Sake. On a fini. Pour la toute première fois, nous allons recevoir Madame Rita Masengo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. Papa Sango. Allez, oui, vous êtes à la boussole, hein? Au moins, la robe musicale, mais le comique, quand même, réalité. Vos impressions pour la toute première fois à Bosolo? Je dirais que c'est vraiment un plaisir. Hein. Mmh. J'étais comme une petite fille. Oui. Quand je sentais que je vous ai vu en, oui, en tenue de prêtre, oui, j'avais le grand sourire. Oui. Mais bon, c'est vrai que vous n'êtes pas prêtre, mais bon, ça m'a fait plaisir d'être là à Bosolo Politique. C'est une fierté, je dirais. Pour tout le monde de passer sur ce tableau, sur ce plateau. Excusez-moi. Ok. Madame Masengo, alors je vais ici rapidement vous présenter que vous êtes au service de la communication d'Eurobank. Oui, je suis au service de communication en charge des actions sociales et publiques d'Eurobank. Très bien. Beaucoup de Congolais qui nous suivent, en général, Nabato Moussoubazan Amboka, Moussoubazan Capitale, Tonaba Province. Permettez-moi de revenir à chaque fois à Lingala, c'est ça notre devise. Mais Bayebite, c'est quoi la Rebank? Bazo kaka ka banque, 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 banque. Pat Bayebakate Rebank ka kozara banque ya Mindele, zaraya ba Congolais, zaraya ba Nani, ba créa ka ngokan, musala na ngonini. Je vous donne une opportunité d'expliquer Rebank ezani. Non, Rebank c'est une banque congolaise qui a été créée en 2002. C'est une banque qui fait beaucoup d'actions, non seulement dans le secteur économique, mais également qui fait beaucoup d'actions dans le social. C'est pour ça que je suis là. Et qui est une banque près de la population congolaise. Donc elle est engagée dans la vie sociale de la population congolaise dans plusieurs secteurs. Secteur éducation, santé, environnement, entrepreneuriat et bien d'autres. Quelle est la particularité au Eurobank Azanango ou d'autres banques Bazanangote? C'est une banque près de la population congolaise. On est là, on est à l'écoute de la population congolaise. Je pense que je ne peux pas en dire plus, parce que sinon on va sortir du cadre. Donc, cette politique de proximité. Oui, bien sûr. Allez, Lydia, tu as assuré pour le bruit, on est là. On va suivre. Naza curieux, Yarouyeba, pourquoi Bino Boyea ou Epanabiso? Pour la toute première fois, je n'ai pas encore reçu un membre de la Rebank ou bien une communication de la Rebank. C'est pour la toute première fois. Qu'est-ce qui vous amène ici? Oui, nous avons suivi sur les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux ainsi qu'à la télévision, votre appel par rapport aux conditions de vie des peuples autochtones. On a été sensibles et on est venu répondre à l'appel de Papa Sango. Ça rentre vraiment dans le cadre de nos actions sociales que nous menons à travers le pays, dans différentes provinces. Et voilà. Et on est là pour répondre à cet appel et donner tant soit peu, apporter tant soit peu ce soutien en faveur des peuples autochtones. Quelle est la place où Eurobank Azali Koupé, c'est la femme congolaise d'une manière générale, avant qu'on arrive à parler quand même de la femme autochtone, Bazanakati, Yéimbo, na forêt équatoriale, mais d'une manière générale. Eurobank tient à l'autonomisation de la femme, de la femme congolaise. Et on a mis en place tout un programme, c'est un programme que nous appelons les 10 feux, c'est un programme en faveur des femmes entrepreneurs. Mais aujourd'hui, nous pouvons considérer aussi que même cette femme des peuples autochtones est considérée
parmi les femmes que nous pouvons accompagner, que nous pouvons soutenir, même dans leurs activités. Mmh. Et on est là pour accompagner ces femmes également. Très bien. Allez, on va prendre peut-être un élément. Ça va nous donner une idée. Nous allons comprendre. Place tous à la guinée yimbo. Togena la yimbo et pas bapikmen. Togena au kuta nana bango. To sololi yimbo pour la localisation. Poko makuna awa lokola ozana Kinshasa. Olongwe awa okeiti na Lisala. La Mongala comme province. Sokomi na Lisala. Il faut traverser kokene na Bongandanga. Parce que les Mongala dans l'ensemble, ils ont un territoire, le roi Bongandanga, ils ont la Lisala, ils ont la Bumba. Donc, tous les obligés de traverser pour aller à Yako, à Yakata, Bongandanga, et de là, il faut au Kamatanzela, Malembe, Malembe, Kokeneti, la jungle, pour la place, pour la Katia, forêt équatoriale. Et nous, on a eu la chance de passer nuit, tous les gens Bango, toute la nuit, la journée également, on a eu à préparer ensemble, et je voudrais à ce que, na faire rafraîchir na ba congolais mémoire ba oba quitter, mais en même temps aussi vous montrer réalité à quoi en avant qu'on arrive à découvrir ce que vous avez apporté pour toutes ces femmes et le message fort, on va le découvrir tout à l'heure. Alors Elidia, si Gédor est avec nous, on va prendre cet élément Yimbo. C'était seulement cette année, je reviendrai aussi, je vais repartir avec tout ce que le congolais sont en train de donner comme badon na bango na campagne à récolte Totobandi. Buta na bandeko na bino ya basina ya mibali bazana ye yimbo ndenge baza koloba. A tout à l'heure. Oye kola koloba na kokoma pe ko sa musala. La bambula oye koya soki nzambe a pesi nzela bana wana nde bakoya ko bongisa siko bino bovani. Po mo pa ya ko bongisa lokwa bino te. Mo pa ya ko ya kana maloba ya sukali. Me akosala lokola bino te. Akoyaka kobo ponangai la banda kolobela bino. Bo ponangai na kosunga bino. Akoyaka kalokola mwa meme me azen kosi. Tango akokamata lokumu ake akoyeba bino soki moke. Yeah. Esengeli bo sala ngele. Bo wela kopesa maloba na bino na bato nyonso te. Bato bakamati ba carte électeur. Bo zaki ba carte électeur. Eza po bo pona. Tango boko koma na mapono mipona kopona esengeli boyeba nani boko kiko pesa lokumu pote ya koma molobeli na bino bokeba na likambo wana moto akokosa bino na Mungu ate akokosa bino na sukari te na mafuta te ngai ndeko na bino na ekotala bino pona koma politiki te na sengi bino bo vote ngai te na zape na besoin na koma député te na ekotala bino pona bolingo. Na pesi matondi na bandeko la bino ebele bao bazala kisasa bakanga ki motema te ba pesi sukali ba pesi mwa elamba ba pesi mwa liputa tango na benga ki mbela bangonde bato baye nango biloko la bino ndambo etikali na kisasa po transport ya koya nango ezate menazo zonga pote na yebisa bango bakoma ebele baba kisabiloko lisusu ebele boete tokokoti sango na masua yango ekoya na masua tina lisala so ekomi na lisala nga na kozwa pepo na komi na lisala tokokamata yango na baorobore po ya na yakata ata bino moko bokobima na yakata po bozwa bokomisa boete tokobongisa be bongo nga naza kozonga bozala na bolingo bolinga na bino na bino mopaya bongisaka mboka te obe mokolo mboka ndakobongisa kaka mokolo mboka nda kobongisa mboka bino nde bokobongisa mboka na kokoka ndenge nde kwa lobi na yena sukali na yena Mungu na yena bilam na yena lichete na yepe na mwa maputa soki na lobi na kota la mosala ya kokabola moto na moto na kozala ngonga wana te na buka lokuta te izo ya solo menenge na bisa pasteur tozo ndi makaze pasteur bote bosa na nzambe basakanaka na ete esengeli ko memi ya ye ko pese lokumu pasteur ma sœur e bele tango na zo bimawa balobi na ngai ndeko soki yo moko pesa ki biso nde to kobika mais soki otiki na moto poto zo ngwe kokoma pasi nde oyoki bango bazo lelao na oki motema na ngai pe pasi nde na bibo ete esengeli bango nyonso bakamata ata moko mwa eloko po moto azanga te eloko la kosenga na yo
lokolo za mosa ya nzambe tango yoko tikalawa na lingina yokate pona kozonga awa na lingina zonga pe awa soki na zongi na yi na kutike desordres alaki ngai na kosala makambo na ndenge na ngala kolekeso e pa moto te donc moto na moto azwa ndambo na ye akamata et ata ya mingi te me asimba lo belengbo ya ndeko ya kikotala biso ya ngoi. Bato bakundolaka lokumu ya mwasi na mokilo ebi yango. Oyebi yango te? Oyoka yango pe nano te? Komo ya mokonzi ya mboka oyebi yango? Komo nena? Mokonzi na biso ya mboka? Mokonzi awa te ya mboka Kongo mobima. Mokonzi yango komo na wana? Oyebi te. Oyebi te. Ozwaki carte electe? Po o vote. Okende pe kopona. Soki mapono mie komi okende pe kopona. Ozu kaka po bomba mbula no po yibite mbula na ngai na yibite bo yo siko polia ozu ka biloko kolia wapi bisi to lia na bisi ba kasa jamba bo lia ka ba kasa jamba bo lia ka nini kasa jamba nini beba pondu obeba pondu bo chaka mafuta te mungwa mosuni peza te mosuni jeda ko ani mosuni za te na jamba mosuni za te na jamba ko mosuni eje na makolo ngana ko jongo ndenge ah ezo kima eh moya ko landeza te Uzana mitambo te? Yeah. Atali sasi peza te? Yeah. Najikwa mutabete lengali sasi. Yeah. Mubali mbe singili ya beta? Yeah. Pe mubali ya zate. Yeah. Bo, kinena nukulengi la mwana, na kuya. So ki na sisi musala kuna lusambo, tangu tukuya wande tukusulula. Na mwani mwana ya lala, tangu mwusu isa alimbie, ubundi la ye, mama lendi. Na sipili na yoye, karate. Mama. Yumbote. Kumbu nani? Comment on a kanda? Te. Yo kwa kota mobile nelongite? Mm-mm. Pona nini? Babongo. Yo kasoni? Bongo mwasi ataka mobile nelongi. Olobi? Mwasi ataka mobile nelongite. Mwasi ataka mobile nelongite? Mm. Mwasi ataka mobile nelongi pembeni? Te. Kwa kumwasi ataka mota soni te. Mwasi ataka mota soni. Buzo yo kababi mwasi ataka neni? Mota soni. Mwasi ataka mobile nelongite. Yo poza na mwono be mongo? Aina ba misato. Misato. Kasi mobali wa boti jua zao. Ajite. Bango ye pa ki. Eh. Atika mukumba pa ki. Otika lobe yo mukoni. Ba boti sabu ya bongo. Ba kaka kaka. Ba kaka ba oye bo yebani ba zape ka ba pigi meto ba talibanda ba koko. Kuri utabini. Ba talibanda. Ba bantu. Eh. Nde ba kaka ba tia zimpe ba ki. Eh. Eh. Bo yebi pe sika bango ba fanda kate. Ngako no ba ndenge ni. Batia kazi mengu wapi na zamba tuwa na mukiri. Bena mboka na yeto vandi boi. Suki ya yesi koto kutali mtu mbali. Ngako na lingie. Yepi alinginga yeti soa kumbisi nga jemi ziko wa saini ni ya wangani ya saini ni ya kenya. Hakimi. Ils ont tous un seul objectif. Avoir une bonne éducation. Ces élèves se retrouvent victimes de leur bas âge. Ils ne l'ont pas non plus demandé au bon Dieu. Ou encore, moins choisi cette condition de vie. Mais c'est l'unique volonté de l'homme politique congolais qui impose à ses élèves de l'Epeto Salissana, de Bikoro, ses conditions précaires, c'est sous ses bicoques en bitume, couverts de paillotes, que ses élèves suivent attentivement le leçon. Ses élèves ont un seul rêve, devenir de personnalités de grande renommée au pays de Lumumba. Tombola Mosapi, oui, Azane. Yo pesa yana, tu zawapi. Awa, tu zawapi. Ozane yana, tu zawapi. Téléma, Nazako, yo kate, yaka nan, non. D'accord. Alors, tu as quoi? Tu es dans la classe. Tu es dans la classe. Quelle est la classe? Quelle est la classe? Tu es dans la classe. Comment est-ce que tu es dans la classe? Bikuma.
Yaka nano na zaku kata yaka. Yaka yuza maere uzana kumbwa mulakisi. Kumbwa mulakisi nani? Ikuma ogre. Olga. Ah ok, likambote. Uzana mbula boni? Mita nandambo. Uzana mbula boni? Mita nandambo. 5 ans et demi. Botangaka. Boli nganzela kela si boite. Soki bokomi nanzela kela si bokobi nangonde bokukoma batu. Hein? Nani alingiaza la mukunzi mboka? Nani azako tanga poza mukunzi mboka? Nani? Hein? Yo yaka nani? Yaka. Uzako tanga? Mpo nini? Luba makasi. Luba makasi. Watoto akama ele na class. Luba makasi na zako ukata ulubi boni? Watoto akama ele na class. Yangu anandu zako tanga. Po soko juu maele lobi okukoma pe moto. Alors, Madame Rita, vous venez de suivre notre reportage. C'était à Yeyimbo, dans la forêt équatoriale. L'autre, là, c'était à Bikoro. On a été à Ikita, Bosolo Télévision. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous venez de suivre? Moi, c'est des images très émouvantes. Je suis personnellement très triste, très touchée. Et comme je disais, il faut vraiment mettre un accent sur l'éducation. C'est, comme on dit, la jeunesse et l'avenir de demain de notre pays. Et c'est triste de voir encore dans... Au XXIe siècle, les enfants qui étudient dans ces conditions-là. Je pense comme on a fait le temps soit peu qu'on a donné, on a donné des kits scolaires pour les enfants, on a donné une enveloppe symbolique pour pouvoir acheter des bancs. On fera peut-être mieux encore, Dieu voulant. Surtout pour les femmes aussi, hormis surtout l'éducation, il y a aussi les femmes qui sont abandonnées à leur triste sort. Oui. Vous avez suivi tout à l'heure les femmes qui n'ont même pas la maîtrise de la femme et le contour qui va avec et le développement de la femme en question, un problème de planification pour la maternité. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Surtout pour leurs soins médicaux, elles ont parlé par rapport à le centre et les santé. Pour la maternité aussi, un problème très sérieux. Mais comme vous le savez, on ne peut pas tout faire, mais on va... On va pouvoir le faire, vu qu'on est implanté à l'Équateur. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui nous touche. Comme je vous ai dit, Ruban fait des actions depuis sa création. On est vraiment impliqué dans la vie sociale de la RDC. Et chaque année, la direction générale met un budget pour le social, pour toutes les actions mécénat dans les différentes provinces. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose également pour ces peuples. Ce qui m'arrive peut-être en tête, c'est au-delà de cette campagne de collecte, ouvrir peut-être un compte en banque où nous allons appeler de Congolais, de bonne foi, peut-être de contribuer $1 ou plus. On a un compte, on a des agences à l'Équateur. On a des agences qui sont ouvertes, des agences Rubank déjà ouvertes. Donc, je pense ces gens n'ont pas des logis, ils ne savent même pas où dormir. Si vous voyez des maisons, c'est vraiment des conditions infrahumaines. Vous n'allez pas admettre, nous on a passé, nous c'était à la Belle Étoile, il n'y avait pas une maison pour nous loger. Si Précieux peut nous montrer cette maison, vous voyez qu'ils sont presque à la Belle Étoile, tous les jours sous la pluie, des intempéries, mais ils sont là. C'est bien triste. On aimerait bien que tout le monde s'implique. Oui, que tout, comme vous avez fait l'appel aux différentes institutions, on devrait tous s'impliquer et donner la chance à tout le monde. Sur ces femmes, je mets un accent sur les femmes parce que nous mettons vraiment un accent sur l'autonomisation de la femme. Donc, les encourager dans leurs activités génératrices de revenus, elles font l'agriculture, vous m'avez dit. Dans le volet social jusqu'à ces jours, qu'est-ce qu'on peut retenir dans votre actif? Je parle des rebanques. Oui, par rapport... Ce que vous avez déjà fait, hormis ce que vous apportez aujourd'hui. Nous faisons, enfin, pour l'éducation, nous accompagnons en fait les différentes ONG qui encadrent les enfants, que ce soit dans des orphelins ou des enfants défavorisés, mais également nous sommes dans la construction de la réhabilitation des écoles. Nous sommes dans la construction des forages. Nous installons des panneaux solaires. Également, pas seulement à Kinshasa, dans différentes provinces, là où il y a des demandes. Donc, je ne sais pas si je peux oser le dire là. Et très bientôt, nous sommes en train d'installer de construire
forage d'eau dans la prison de Makala, par exemple. Et on a installé également des panneaux solaires dans différentes provinces. On est en train d'inaugurer des forages d'eau que nous avons construits. Donc, je dirais, en dehors des actions sociales, comme vous avez vu, la remise des dons, des kits scolaires ou des produits sanitaires ou alimentaires, nous sommes dans la construction également, ou réhabilitation des bâtiments publics. Alors, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui? Parce que ce que vous dites, c'est bien de créer, vous faites des forages dans la prison centrale de Makala, mais dans les différents coins ou recoins du Congo, que moi je visite souvent dans les cadres de mes investigations, si vous pouvez apporter quelque chose, par exemple à Bikoro, faire quelque chose, aller à Ngandajika, à Mweneditu, aller à Gombari, à Mungwere, à Wacha, les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'école. Hein. Vous voyez dans quelle mesure vous pouvez être utile pour cette population qui... Je suis d'accord avec vous, je vous ai dit, on n'en fait pas qu'à Kinshasa. Mmh. Là, à Mbujima, il y a eu des constructions de forage, à Gemena également. On fait beaucoup, mais tout dépend des demandes et des besoins. Mmh. Mais bon, tout est budgétisé aussi, hein. Faut pas que nous ignorons cela. Mmh. Mais on reste ouvert, nous analysons et voir ce que nous pouvons faire. Mmh. On reste vraiment auprès de la population, nous répondons aux cris de la population. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui exactement à toutes ces femmes-là? Il y a eu une campagne de récolte. Ça continue jusqu'à présent. Bateau ba pesina noté, toujours singambe là, na bateau ba ya ko pesa biloko pour na bande kona biso ba autochtone. Ba o bazana ikita, ba o bazana yimbo, toujours préparé mon bembo pour na kedo pesa ba biloko. On fona ko sa biloko belé na masua et ko tambo la pendant un temps, ce qui est commis nga na ozo avion pour tout qui ne vota la bango. Bateau dans ba kenda pété ba limba kende ko découvrir ba mona bande kona jungle kuna na forêt équatoriale. Pourquoi qu'on s'associe à Nabiso pour un voyage ou à Toulouki billet, Toubongi Sinabino, Toukomi, Toukosa, l'aller-retour, peut-être 4-5 jours comme ça seulement, beaucoup ma beauté à la bango, beau yoka bango, beau solana, beau mon ababo tivo, Namiso, bah il va payer, Bazakuna, ils vous attendent. Alors qu'est-ce que vous amenez aujourd'hui? Parce que Rawbank intervient après l'alerte, l'appel, il y a Sango, la campagne, Boye directement. Qu'est-ce que vous apportez? Bon, on a pensé au kit scolaire, on est en plein... Kit scolaire, donc il y a des cartons de cahiers, des cartons de stylos, des sacs scolaires pour les enfants. Mmh. On a pensé également aux femmes, on a pensé à elles, on a rapporté des pagnes, des t-shirts pour enfants et pour adultes, et une enveloppe symbolique, je ne dirai pas le montant, mais c'est pour répondre aux besoins que vous nous avez... mentionné, que ce soit l'achat des outils agricoles, des tôles ainsi que des bancs, si possible quelques produits, des produits pharmaceutiques aussi. Oui. Bon, le début ça serait ça, mais après si Dieu le veut, on ira peut-être ensemble sur place, se rendre compte et voir si nous pouvons construire une école, pourquoi pas. Non, je vous invite à voyager avec moi. Ça serait bien. Hein. Ça serait bien. Il faut venir à Yimbo participer à ce voyage. Je serais très content. Cette fois-ci, je n'irai pas seul avec l'équipe de Bosolo, mais aussi avec un bon nombre de compatriotes congolais, femmes et hommes, qui vont décider de voyager avec nous pour palper du doigt la réalité des Yimbo, d'Ikita, rester, passer nuit. Je voudrais qu'on passe nuit à Yimbo. Qu'on chante la nuit pourquoi autour pas, du feu. Pourquoi pas, ce serait une expérience de bonnes vacances pour nous. Au lieu seulement d'aller en France, en Belgique, on peut aussi aller à Leva et Imbo. Ça serait un plaisir. Alors, on va découvrir ensemble avec vous, avec les téléspectateurs, ce que vous apportez aujourd'hui. Nous sommes en direct, messieurs et dames. Nakenagi na Ikita, Bandeko Bazako Yemba, hymne national. Hein. Je veux vous faire écouter l'hymne national de certains. Une personne, Bazaba Pikme, ba autochtone, Bazaba Yemba. C'était dans un village à Ikita, c'est toujours ba autochtone, mais Bazo Yemba. Tozo qui a indépendance, la Malembe, le Komi Amatata, Likambwango et Anini, Bazo Lela Lumumba, parce qu'ils vivent dans des conditions infrahumaines. C'est très difficile, il faut que ça change. Mais j'appelle tout le Congolais à participer, à donner quelque chose. Ozana Bilamba et Malamo, Oyo Monique Ozo, la Tate, Oyo Pesa Bango, bon même la Bango, Ozana Bakaye, Ozana Soukali, Ozali Nambongo, Nyoso Yolingi. Mais ce que l'on attend vraiment, c'est pas ça de l'argent, c'est pas ça vraiment. Ce que l'on attend, Ezali Badon Yabatu, Boyana Bilamba, Boyana Bajoué, Abana, Nyoso Yoko Pesa Sourire,
la pygmée à ces pays-là. Bossala Yango, Dieu ne vous abandonnera pas. Mm-hmm. Il sera obligé de vous bénir. Mm-hmm. Alors suivez d'abord, avant qu'on se déplace, on va aller voir ce qu'on nous amène, hormis l'échantillon de ce que nous avons ici sur ce plateau. On va découvrir ce que vous avez apporté là-bas. Nayoka rappelé, batubile tang, baroyoka bazolo, ba, enveloppe symbolique, hein. Naibi ba kongole, wanolukoye, ba sango. C'est quoi l'enveloppe? Enveloppe symbolique est à $100. Bah bien, enveloppe symbolique, c'est-à-dire une enveloppe dont le montant n'est pas cité en direct. Il y a un de symbolique. Vous voyez, vous la vie sur la terre, vous avez un de symbolique, 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 vous avez un de symbolique. Alors, suivez quand même cette interpellation. Boyo Kanzem, Boyo Sepeli Sabino, mais interpellé parmi tout Nabiso, surtout ma politicien, toujours qu'à indépendance dans ma limbe, mais toujours vivre le coup là-bas, pas en amour qu'à Nabiso. Ça doit changer. Nous ne voulons pas vivre dans des conditions infrahumaines. Nous devons nous réjouir et toujours également dans ma potentialité, dans la richesse et le bonheur que Dieu nous a donné. Suivez. Et puis après, on va sortir ici, nous allons nous rendre quelque part pour voir quand même ce qu'on a apporté. Basa la remise officielle, Baloba, Bisopeto Loba. On va terminer cette étape et on reviendra pour les débats ouverts. Ça sera avec Cédric Moudiantou et Ngoma. À tout à l'heure. Comment est-ce que
Allez, Mokonzi Mboka, kombo na Jean Robert. Mokonzi Mboka, kombo na Félix Tshiseke de Chilombo. Moi si na kombo na Maman Denise Nyakiru. Bah on va tout bautir au pèse na bise car la mingi tena stade. Voilà Mokonzi Mboka na bise na Maman Denise. Bah pèse na ki bise na stade. Bise beaucoup public. Ils ont une on attente à pique d'air. Ils ont une on fair play. Alors yo si go ba ko ebiso. Pesa mobile na obizo komi ote rega ya quand même des gens tout luka molili to sa la molili te mwinda pesa mama mwa bis po mokonza mboka laxi déjà modèle po obizo bala nae tout landa ba mokak. Alors on va sortir, je vais vous inviter à venir avec moi. Vous avez suivi quand même l'hymne national tout à l'heure, oui. C'était magnifique, hein, émouvant. Allez, on va sortir, nous okay. Allons nous rendre, okay. Et puis je reviendrai ici pour la deuxième émission dans 10 minutes, je vais revenir ici. Allez, on va découvrir ce qu'on nous amène aujourd'hui. Ira au banque. Je peux prendre mon sac? Oui, ouais, si vous voulez bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre votre sac. Je peux amener pour vous. Hein, si vous... Non, ça me dérange. Vous savez, la femme. Pas qu'à voir à Boumengote, papa, pardon. Ah, donc, Boumengote, vous allez. Je vais vous dire que vous avez battu la moi. Moi, je suis la sangle, maman sangle, je suis la bataille, pour mon mais ça reste là. Oui, oui, ça reste. Nous sommes en direct. Hein? Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Ok? Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Tu veux prendre les sacs scolaires qui sont restés là? Les sacs scolaires. Ok. Ouais. Bonjour, madame. Il y a encore d'autres colis là-bas. Mais les sacs scolaires, justement, je disais. Ouais. Il y a des sacs scolaires. Prenez place. Oui. Merci beaucoup. Tu veux prendre les sacs scolaires qui sont restés là? Nous sommes en direct. Donc vous êtes dans mon bureau. Merci beaucoup. Il y en a encore, je pense. Hein? Il y en a encore. Il y en a plein. Hein? Oui, il y a beaucoup de sacs scolaires. Les sacs scolaires. Hein? Ouais. S'il y en a, il faut apporter. Hein? Il y a aussi des cartons de cahiers qui sont restés là. Il y a d'autres cartons de cahiers, c'est pas... Alors, ça va se passer comment? Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous apportez? Vous a dit, on va dire aller vite avec. Oui, je ne sais pas si je dois faire. Si vous pouvez vous lever, parce que votre sac. Bon. Peut-être qu'on pourra m'aider à ouvrir un. Vous pouvez aider? Ouvrir un pack. Et les cartons de cahiers qui sont restés là-bas. Mais ça, il sait qu'il y a tout. Il y a au moins 10 cartons de cahiers. Les cartons de stylo, vous n'avez pas descendu? Ah oui, ils sont là. Peut-être nous sortir un pain. Comme ça, on voit. On voit pas tout montrer, mais bon. Peut-être sortir juste un pain. Et Lydia est où? Il avait quelque chose à... Et Lydia est où? Coupez là, vous allez faire sortir. Hop là. Oui, c'est... Ouais. Tu avais quelque chose là. C'était quoi? C'était un pain. Je voulais juste faire une. Il n'y a pas de souci. Symbolique. Hein? Oui, avec un pain comme ça. Ici. Attendez, on va voir.
Il y a un couteau derrière toi. Allez, laissez la place à mon maître. Peut-être les cahiers, comme ça je... Ça représente quelque chose. Hein. Un pack. Oui. Et un t-shirt aussi, pourquoi pas. Ça, c'est dans un symbolique pour rentrer. Okay. Donc, on va pas tout sortir. De stylo. Oui. Le cahier, il y a des t-shirts, ça c'est pour adultes, il y en a aussi pour enfants. Parce que les t-shirts, c'est pour adultes, il y en a pour enfants aussi, de petite taille. Et il y a également le pagne roban, c'est les pagnes que nous portons officiellement également. Okay. Voilà. Il y a au total combien de pièces? Il y a 100 pagnes. 100 pagnes. Ok. Il y a 100 pagnes, il y a des sacs, il y a des sacs shopping, on a pensé aux femmes. Donc quand elles vont recevoir leur... Tu as quelque chose pour couper ici? Donc, elles vont recevoir chacune okay. un sac avec, avec leur cahier. Merci beaucoup. Il y a des casquettes aussi pour les hommes. Tenez. Si tu veux, donne-moi le petit couteau, je vais vous montrer les stylos. Voilà, ça, on a pensé aussi aux hommes. Les hommes recevront aussi okay. une casquette et un t-shirt. Mmh. Parce que ça va être plus chaud. Mmh. Bon, comme on l'a dit, c'est vraiment un geste symbolique. Ouais. Je sais qu'on pourrait faire plus, mais mmh. c'est le premier geste et on pourra faire mieux. Okay. La prochaine fois. Bon, ça, c'est des... Il y a plusieurs stylos. Hein. Ça, c'est du rouge. Donc, vous avez des cartons de bic rouge. Stylo rouge, stylo bleu, stylo noir. Oui. Vous avez 6 cartes. Merci. Alors, peut-être pour couper court, moi, je ne peux que vous remercier. Je remercie la Robank pour votre flexibilité. Aussitôt appris, et vous avez agi avec beaucoup de souplesse et urgence, pour donner un peu du sourire, tant soit peu, à cette population des Yeyimbo et de Ikita. En tout cas, je ne m'attendais pas qu'Hérobank pouvait réagir hein, si vite, mais vous l'avez fait. Je ne peux que vous remercier pour avoir considéré notre appel et vous rassurer que ce que vous avez donné, la population des Yeyimbo recevra ce colis. Et j'espère que ça pourra soulager tant soit peu. Peut-être, par exemple, avec les élèves pour l'école, ils vont bénéficier de quelques fournitures scolaires. C'est important pour la scolarité. Pour l'achat des bancs. Hein. L'achat des bancs aussi, vous avez donné. Avec cette enveloppe symbolique, ça pourra toujours aider. Et puis, pour les femmes aussi, je pense que 100 femmes de Yeyimbo pourront bénéficier de ce lot d'épagne. Ça va aider tant soit peu. Hein. Toutes ces femmes-là, à couvrir quand même leur corps. Merci beaucoup infiniment. Mais j'en appelle, comme je l'ai signifié au plateau là-bas, à l'implication de tout le monde. La première dame également, Maman Denise Nyakeru, on vous attend. Nous attendons toutes les grandes dames de la République, mais les hommes aussi. Venez participer, donner quelque chose. Ce n'est pas de la campagne électorale, mais c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le sens d'humanisme. Vivre pour les autres, c'est le social et nous devons faire du bien à tout le monde, surtout à nos prochains. Nous ne voyons pas Dieu, mais à travers nos frères et sœurs, nous pouvons voir.
Alors, aidons ou aimons-nous vivants, je pense que ça sera quelque chose de très important. Ça a été un plaisir. Robank a fait le premier pas. Robank a témoigné. Avant Robank, il y a eu des Congolais qui ont apporté. Je ne peux pas oublier de Congolais. J'ai reçu pas mal de cadeaux aussi des Congolais. Badon, Nabaron, Bayakinango. Ceux qui ont apporté du sucre, ils ont apporté du sel, ils ont apporté des cartons. Namon, Nabatonso, Batinda, Kimoutana, Poto, Batindi, Bakarton, Bilamba et Bélé. Peut-être je ne saurais pas citer leur nom parce que je n'ai pas reçu l'autorisation. Mais ils ont envoyé. Il y a des personnes qui ne voudraient même pas que leur nom soit cité. Mais il y a des cadeaux, il y a ma papa, il y a Bilamba, il y a des maputa. Même les coquités, c'est vrai déjà, c'est quelque chose, mais même les coquités, nous en avons encore besoin. Merci à tous ceux qui ne cessent de soutenir l'œuvre. Et puis, tu vas croire en appel, tu vas continuer à opérer, surtout la Robank. Tu limite, tu es convaincu que Zali banque kakate pour la Rosala, mon salaire en bongo, mais c'est aussi pour le bien-être de la population congolaise. Infiniment, merci à la Robank. Je pense que ce que vous avez fait, comme le prophète Branham l'avait dit, derrière chaque sacrifice, il y a une bénédiction. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc, au nom de l'équipe de Bosolo, au nom de toutes ces femmes autochtones, il y a Yeyimbo et puis il y a Ikita, nous vous remercions. Transmettez nos salutations et le remerciement chaleureux à Robank et toute l'équipe. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. On peut prendre la photo ici. Tenez, merci beaucoup. Allez, on se retrouve pour la troisième partie de l'émission. Nous allons libérer maman Massengo Rita. Tombola na mabou, tout ça, la tamé, ça, vous vous fous. Attends, ils en ont bien. Là, nous, tout ça, salité, si au couille. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième partie. Ça sera un débat. Cédric Moudiantou sera au sujet. À très bientôt. Merci. Félix et Antoine. Vous l'avez dit, madame? Jean-Robert Azamo Kondiamo Kate. Et Azaline. Maman Denise Nyakeru. Papa Félix. Mokonzi na biso ya kala. Oya uti kolongwa na bokonzi. Oyebi kombo na ye? Baginani. Kabila. Mokonzi ya mboka uti kolonga kombo na Joseph Kabila. Kombo na nani? Joseph Kabila. Mama ya Yesu, kombo na ezaki nani? Mama Maria. Maria. Kasi papa ya Yesu. Joseph. Papa ya Yesu, kombo na Yesu? Joseph. Monsieur, mais yo na ebisaki yo ke pona ba absence due na maladie professionnelle au bangelo ko mokote. Vous comprenez ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations de risque. Oh, allez, bon matin tout le monde.
papa Lili sama yene vous t'conseille na yako direct comment yo vous le voilà donc désormais bino argent public il y a l'état où vous allez assujetti na sensa dire vous avana en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence il y a 7 ans, dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tombé au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque. Risque Zali, maladie professionnelle. Donc beaucoup n'ont eu aujourd'hui dans Zela Moussalana. Et accident de travail, ezali likama oyo ozui na musala ton na nzela musala yango wana nde babengi risque professionnel. Ka na Congo oyo bakumi kufuta risque ah fonctionnaire ya l'état ya lelo na Congo azali susu mutama wate yo par exemple na déclaration déjà dans le délai. Voilà donc pour na bolamu ya ba agent public de l'état ndenge bozali awa Tata Mokonzi à l'école, Fatih Béton, Nanzela ya Sensa. Donc, en cas d'accident de travail, de maladie professionnelle, non seulement bako fouta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de yo mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente, topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de frais funéraires, mbé rente des survivants. Maman Nankai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État, ce qui osa la mission de service topé mutation, ce qui li kama et kweli okuna, eh bien, ils ont considéré le coup l'accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, bako fouta yo. Ayuna, nga mou kongwele banga kala. Gola mou fana neki zelibaye. Na sa tete, na korezi ya l'État. Nga koutou, na gono bate. Chef, pourquoi vous foutez les gars à ta sucre? Mais il y a le bâtiment qui n'a pas l'idée. Oh! Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la CESAP, tous solidaires, tous bénéficiaires! Message de la CESAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11.